Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour tous les amis qui sont sur chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. C'est un autre plaisir, une autre occasion. Moi, tourner encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi, salue tous les amis qui branchent Radio, fanatiques inconditionnels, chaîne Parler Haïti. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous. Jeudi à ce jour du samedi, qui c'est 16 juillet 2022. Émission ça, son émission qui est vraiment spéciale. Et son émission, maintenant, de Ponti Chesbao, pour venir garder. Une réunion BESAP. Et moi salue tous les amis qui sont dans la diaspora, spécialement son émission. Je connais bien pile les amis dans l'international qui t'attendent l'émission ça. Parce que il y a pile monde qui demandé pour me faire BESAP parler, pour expliquer qui c'est BESAP et dans quelles conditions ils vivent. Pas oublier que l'agent BESAP, ça y a pris pile Dominique dans la gang dans le pays. Dominique qui a rentré en Haïti, il a fait crime. Dominique qui a volé bien paysan sous frontière. Agent BESAP sa yo ka fon bel travail. Et c'est peut-être ça même. Ariel Henry pa vle wè agent BESAP sa yo. Kote yo retire droit, yo retire zam ki te nomme agent BESAP yo. Mba se, si yon bel émission, kote mesye yo pral explique bel travail ya fè nan peyi ya. Et pou ki sa, yo pren décision pou yo fon travail ki yo pa touche. Pa ble nèg BESAP yo pa touche. Parce que Ariel Henry fè comprendre. BESAP pa rien dans pays a qui ont corps gang. Ariel Henry déclaré BESAP son corps gang, il pas gain droit toucher. Nèg BESAP ça prend pile dominicain, toujours monter dans pile dominicain, mais avant hier là j'ai dit que passé là, il prend 7 dominicains dans gang dans pays a. Dominicain qui a rentré dans gang, agent BESAP va kembe là. Bosse émission ça m'pa bien la donne, nous va commencer et grâce avec TV la couronne qui fait nous joindre émission ça et qui fait émission ça possible. Jodi a là TV la couronne qui a fait un bel travail. Et c'est directeur et PDG TV La Couronne lui-même qui a fait interview ça qui est dans la base BESAP et bien pour venir avec madame monsieur belle et émission ça jodi là Radio Parler Haïti Radio La Voix du Peuple moi ça les tiers droit qui là qui a fait tout manœuvre technique yo bon pas dire encore pas vouloir pour les courir sous nous tiers droit n'a bail les BESAP yo les dans base BESAP. Bonjour à tous les amis internautes TV La Couronne. Matin là, nous présentons la caillou. Nous souci pour nous faire vivre toute information qui a passé dans le département Nord. Nous, dans la base BESAP, nous pouvons vivre en effet intervention responsable du coordinateur Anapla et président commission BESAP, qui prend quelques détails en effet de micro TV La Couronne par rapport à l'ensemble des rencontres extraordinaires jeudi à qu'a fait. Ici, un coup de fait avec les présidents 19 communes. Donc, moi, je vais pas trop de détails. Même pour quitter nos temps d'abord, et président bien responsable là, qui parle avec les détails de l'ensemble des activités qu'a fait ici dans le département avec BESAP. On regarde comment représentant eux-mêmes, ils sont bel et bien présents dans la base là, pour capable assister à la rencontre ça, côté que même, il apprend des informations avec la commission. Hein, pour voir comment ils ont géré et tout environnement, parce que le pays est protégé par l'environnement. Donc, là, c'est en tête, pas vrai, responsable qui est là. Maintenant, après ça, nous parlons de vivre l'autre représentant yo, qui est dans 17 communes. Là, il y a tout côté qui est présenté là. Bon, c'est Gérald lui-même qui est président. Lui-même, le coordinateur, il parle de nous en effet comment ça y est dans la base là, comment bagaille même y a déroulé. Bonsoir, et avant Gérald, nous allons connaître ce qu'il y a. Et Gérald, tu parles de lui, c'est qu'est-ce qu'on a commencé avant. Voilà. Bonsoir Gérald, ou même c'est le coordinateur BESAP. Là, nous parlons chita et dans le salon et le coordinateur, vous nous parlez. Mais avant tout, là, ben, on te détaille tout court des rencontres ça qu'a fait là, jeudi avec le président de la commune. Je profite de l'occasion pour saluer l'auditeur et l'auditrice. TV La Couronne. TV La Couronne, je dis à qui est présent dans le bureau départemental Nord, à NAP, qui est l'Agence nationale des aires protégées, et GESAP, qui est la brigade de surveillance environnementale. Donc, on rencontre aujourd'hui, mission 1, c'est l'objectif bien c'est mettre en valeur toutes les protégées au niveau département Nord.
c'est objectif rencontre ça ou car ouais c'est ensemble des responsables c'est représentants ou toute commune qui là pour nous comment ensemble avec commissaire yo comment nous ca mettre et protéger nous gagner nos en valeur. Voilà, rencontre ça, c'est notre société qui a mis en valeur et à protéger. Mais comme nous pensons faire, puisque nous remarquons, et bon, c'est une question ça toujours. Voilà, bah, est-ce que y a parmi les responsables toujours, qui ont parlé tout après que pour nous rentrer dans le coup d'état avec Gérald. Donc, je pense quand même dans les responsables, quand même, il y a quelqu'un qui a appelé parler tout, puisque c'est pas seul Gérald qui est là. Après, c'est qui est-ce qu'on a parlé? Bon, et moi, je dis bonsoir, c'est non pas moi, c'est Pétion Denis, et qui trouve le. Dans l'institution ça qui est responsable du département logistique. Et si on plaisir pour moi, après-midi, vous êtes capable de faire un petit lien ensemble avec et télé. Internet, nous, TV La Couronne. Et TV La Couronne. Et bon, nous vraiment féliciter et remercier nous tous pour le travail que nous faisons dans la communauté. Hein. Et c'est que ça toujours important parce que il y a une plus grosse âme que nous devons gagner dans le siècle que nous vivons, c'est toujours la communication. Mais à chaque fois, on a une opportunité pour nous parler, pour nous capables de vendre ça nous gagner. Et comme marchandise, et qui c'est le travail que nous avons pour nous faire dans l'environnement, il est toujours important lorsque y a un média, ben nous, pour ouvrir la porte pour nous parler ensemble avec lui. En ce qui concerne les aires protégées et les coordonnateurs, et puis les responsables ou bien président de la commission qui a géré ce plan lui-même, que nous avons aujourd'hui, et puis. Qui a parlé pour parler en long et en large de protéger yo. Si on a pas nous gagner qui c'est un souci pour nous que nous sommes capables de dire et c'est un souci et bon que nous pas vraiment trouvé et sens vrai sens mourant pour nous dire comment ça fait nous mal souci ça que nous gagner mais nous sentons vraiment côté que à chaque moment gagne un travail ou dit rince que nous ouais qui a fait de façon excusez-moi, de façon anarchique, surtout dans l'environnement, ça a vraiment touché nous comme garde environnemental. Et dans l'espace, nous avons qui déclaré et protégé qui a vocation et protégé tous. L'homme dit vocation qui donc qui part pour déclarer. Mais nous réunis aujourd'hui, c'est juste avec toute commune qui en pile monde des fois ignoré, mais qui a une série d'importance capitale pour la nation. Des fois, à cause de communication, ou dit, nous avons un espace pour nous exprimer, nous, pour nous parler des valeurs, des zones à regagner. Et de jour et jour, c'est un plaisir pour nous avec responsables communaux, pour nous mettre ensemble sous table tout ça nous gagne, qui vraiment a importance. Des fois, c'est étranger qui connaît valeur. Par exemple, là, nous parler de parc national historique que nous gagnons. Pas gen pile moun ki connaît ça côté que nous gen UNESCO qui entre nan patrimoine pa yo fait comprendre que le patrimoine mondial mais nous en pile haïtien pa connaît parce que pas toujours gen moun pour qui expliquer mais à travers le ministère de l'environnement jodiyan qui a metté une série d'espaces en valeur qui a dit nous mais ça nous te gen des fois nous chita sou yo n'a dormi sou yo nous pa connaît potentiel et bien journée jodiyan à travers BESAP et excusez-moi à travers le ministère de l'environnement qui gagnent en dedans yon brigade qui c'est BESAP c'est pas directement le travail qu'a fait c'est travail BESAP même si le monde qui a parlé à lui-même il y a un uniforme qui marque BESAP et monde qui mette uniforme ça ou qui gagne uniforme qui marque BESAP BESAP c'est brigade d'intervention mais c'est ANAP dans son ensemble qui gagne pour responsabilité pour mettre tout ça nous gagne yo c'est eux même qui repère pour nous et puis qui dit nous mais qui côté doit nous commencer mais qui côté les finir. Alors, c'est dans l'optique que je dis à nous réunir avec toute commune pour nous concentrer toute force nous. Sur yo, peut-être auparavant, il y a un paquet d'erreurs qui passent, qui fait déjà, mais nous ne pouvons pas quitter ou continuer. Et puis, je dis à c'est ça que nous réunir, c'est pour nous capables de porter une solution à des de difficultés ou bien problèmes que les gens qui sont dans la commune ont confronté par rapport à l'espace qui a une valeur pour la nation. Merci. Ça, c'est pour nous, non? Non, ce n'est pas la première rencontre. Okay? C'est la première rencontre qui est censée être télévisée, mais ce n'est pas la première rencontre que nous avons. D'accord. Je vais poser une question, puisque nous connaissons le coordonnateur pour le bail. En plus, l'autre temps encore, des BESAP en général dans le département de Noa. Puisque il y a des gens qui ont une mauvaise mentalité de BESAP. Donc, je pense que je dis à la,
au niveau micro TV la couronne, il y a quelques informations qui t'a que nous t'a bien, vous m'entendez, pour baisser ça en général. Donc faut que ça baisse ça, comment ça y est, puisque me pensais quand même qu'on a tel même la baïka détail. Donc est-ce que on a acheté là ou bien avancé? Voilà, donc c'est ça, là c'est toujours le rôle que tu as fait avec les 19 communes du département Noa qui te représente là. Eh bien, nous t'attendons, Yon Mersabio, qui c'est Pétion, qui t'a parlé nous comment eux-mêmes Yon là peut capable protéger Yon puisque nous ne sont pas mettre en valeur. Mais je dis à ce moment quoi qui décide de travailler pour nous mettre en valeur, nous c'est certain d'avoir l'autre Haïti, d'avoir l'autre ville au Cap. Donc voilà, nous demandé à Gérald qui c'est ça. Bah, on a bureau Gérald et coordinateur qui pourra fournir des détails de ça. Merci monsieur Napini. Voilà, là c'est toujours, c'est un bureau on a pointé là. OK. Donc il y a pas la chita. Voilà. OK. Vas-y, fais même nous pour traiter. D'accord. Voilà. Gentil Villa pour te dit à l'air. Donc, nous-mêmes, au niveau du département Nord, donc, nous voulons parler de PDE, ANAP, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées, qui en pile monde, nous n'avons pas connu qui ça qui ANAP là. ANAP, c'est l'Agence nationale des aires protégées. Donc, ce n'est pas une institution qui est nouveau. Et ANAP, c'est un bagage qui existait depuis en 2006. Et il est créé sous même décret-loi qui crée le ministère de l'Environnement. Mais il y a un pile de monde qui ne pas connaît. Mais sous le président Jovenel Moïse, que ANAP a une direction générale qui a gagné à la tête li en M. Jean-Pierre Joseph. Donc, de la mission ANAP lui-même, ANAP, c'est lui-même qui l'a. Pour mettre toute air protégée qui dans le pays d'Haïti en valait. Et c'est lui-même qui fait gestion. Donc, via ANAP, vous mettez tout, vous valorisez tout ça comme air protégé. Exemple, il y a plus de monde qui ne connaît pas ça qui est air protégé. Exemple, nous avons le littoral, c'est air protégé. Nous avons le monde, rivière, sous l'eau, mine. Tout ça, c'est eux-mêmes qui font partie des aires protégées. Donc, les gens qui ont coupé pied bois directement, ils ont attaqué l'environnement et aussi ils ont attaqué ANAP. Parce que la loi dit, de quelle loi ça? Il y a ANAP pouvoir sur toutes les aires protégées qui sont en Haïti. Donc, ça fait pas de rien. Jean l'autre monde toujours critiqué, ils disent le pays est ceci, le pays est cela. Mais en Haïti, nous gagnons toute loi autour, il existe en Haïti. Exemple, ANAP réglé directement. ANAP réglé directement. Oui. ANAP lui-même, lui travaille, lui parlait directement. ANAP lui-même, lui travaille directement dans l'affaire gestion et protection. Voilà. Et avant que nous allions plus loin, et qui te demande qui différence qui gagne entre ANAP et BESAP? Okay. Puisque nous remarquons, à travers ville Cap-Haïtien ou à travers le pays d'Haïti, nous avons plus de jeunes garçons, toujours en uniforme, bien équipés, donc ils sont BESAP. Là, on parle d'ANAP. Quelle est la différence entre les deux conseils? Ok. ANAP, c'est une institution en l'État haïtien. Dans le ministère de l'Environnement, a gagné 3 postes direction. Donc, ANAP fait partie de la direction qui trouve en dans le ministère de l'Environnement. Donc, ANAP lui-même, il fait gestion air protégé. Il y a SMGS qui fait gestion, bah, ça m'a dit, FATRA, bagay. C'est SMGS qui fait ça. Bonne direction en technique qui trouve en dans le ministère de l'Environnement. Donc,
ANAP lui-même, c'est une institution. Hein? BESAP, c'est une brigade qui travaille pour ANAP, qui surveille tout est protégé que ANAP gagne à travers le pays. BESAP sécurisé. Donc, BESAP a une institution. Hein? C'est ANAP qui est institution. Hein? BESAP, c'est une brigade qui a une mission pour surveiller. Et ça nous interprète notre sécurité. Donc, qui sécurise tout ça en appelant lui-même les procédés à travers le pays. Donc, c'est ça qui fait. En plus, le monde, quoi, c'est BESAP qui est institution. Non. BESAP, c'est seulement une brigade. Il a une mission sécuriser et protéger que en appelant à travers le pays. Voilà. Et là, bon, c'est quand même. Et nous, qui ne connaissons pas bien qui ça en appelant et qui ça BESAP. C'est Kepim Laria qui dit. Yo, pensez BESAP yo, sont ces jeunes garçons qui étaient consacrés à ton côté et puis qui prennent une uniforme de avec des dans main yo, dans cette yo et puis cap marcher dans la ville là à faire des gars. Donc ça peut que ça j'ai pensé. Mais c'est différent ça me plaît faire pour mon yo. Mais gen moun tout qui pensait tout, yo fait c'était BESAP tout parce que yo ouais, gon travail quelque que monsieur BESAP a fait. Yo dit a au même bail une explication très claire pour dire que ANAP là lui-même, c'est institution hein. Et bien BESAP là, c'est un corps qui a travaillé pour institution. C'est mon salut, papa? Oui, parce que la brigade lui-même, c'est ça que ça le fait. Il a une mission sécuriser et protéger. Donc, pas de question que je dit. Parce que bon, si on a travaillé à Haïti, en un pays, on ne plus faire méchanceté. Donc, même là où on est important, ça, oui, mais là où on a besoin de tout, il a dit ça, il a sur vous. Et au cas en pile, moi, je suis content de tout comme responsable, côté mon monde, comme ça. Or, c'est Negbe savait son paquet Neg. Qui dans la rue, ils viennent à ZAM, ils rentrent dans BESAP, et puis BESAP pas mettre en valeur. Non, il n'est pas fait comme ça. Moi-même, comme responsable, je prends formation pour Sam Laden. Depuis en 2017, je suis formé pour lui-même. Je suis pris en formation sous gestion maritime protégée. Donc, c'est Alain Deli qui fait bien là, je dis. Je travaille dans le domaine. Ce n'est pas un bagage que je n'ai pas acheté ou bien c'est une raison politique qui fait que je mette là-dedans. Je connais le système bien. Et c'est ça qui fait que je suis allé, je suis retourné, je prends promotion, je retourne encore, je viens travailler pour la communauté. Et je voulais retenir attention à tout le monde dans la population. BESAP n'est pas là pour faire mon méchanceté. Au contraire, BESAP est là pour aider, pour expliquer qui ça qui est protégé. Je vais regarder tout ça qui a passé dans mon lieu. Dans mon exemple, mon collège là, gardez mon arrivé au casier sur espace vert. Il était après jeudi, mon entrée est tombée casée, sorti à la campagne, au final qui braille, on était caillé dans l'eau, pas besoin de connaître. C'est moi qui fais caillé. Ravine nous était gagné, ravine Belotèse, ravine Zétrier, on prend un paquet de mon prend, il coincé, il fait bagaille. Tout ça, c'est travail, mairie, cap haïtien, plus ANAP. Gestion ça, c'est gestion. Mairie et ANAP. Donc tout ça, c'est ça que ANAP lui-même jodi a mettre en valeur. Sous l'eau, tant que Basiko, nous te gagnons, ou lancer l'icou, maman lève, toute zone ça. C'est ça que ANAP vient récupérer là pour mettre en valeur. Donc c'est mission nous ça. Donc pas gain, ça que nous avons fait dire dans l'arrière avec ça qui est écrit là, c'est des bagages différents. Donc c'est une institution légale qui autonome que l'État a essayé de créer. Qui dirigé par un décret loi. Donc, mes décrets, donc nous avons des décrets, c'est bon, bagay, moun pa achete, le levé, jou matin, puis on groupe n'est pas tout, mais uniforme, ou là, ou vini servi population. Non, il n'y a pas un bagay comme ça. Voilà. Et nous allons pa, parler des de décrets, mais maintenant, c'est qui ça, ANAP pa fait, pour capable récupérer, c'est tout zone sa yo qui n'a pas de lien, puisque nous remarquons, là où vient zone sa yo, ou pas existé encore. Ravigno, donc, nous avons fait kay nan yo. Mon yo, ou pour ces petits kay, yo fait, puis l'air a pu tomber, fatra dingolé, tout côté passé, fatra prendre toute ville là. Donc, est-ce que ANAP, via BESAP, nous-mêmes, est-ce que nous pensons que nous avons une porte, nous avons une possibilité, ou nous avons une force de quoi pour nous récupérer les gens de SAO? Yo pas difficile, mais légalement, j'en décrète à dire là, faut que vous travaillez de concert avec la collectivité territoriale. Yo. Donc, dans le décret, il dit que le magistrat communal a fait un arrêté communal sorti, laissant lui demander aide à ANAP pour ANAP lui-même l'utiliser, hein, l'utiliser
agent de en brigade yo, brigade là, les ouvriers brigade là dans espace ça yo pour dire dès maintenant espace ça pas espace pour nous construire caille. Mais c'est des conseils avec autorité communale. Mais qui j'ai collaboration nous hier ensemble avec nous. Non, nous n'avons pas fait harmonie avec moi. Avec Myria. Moi, nous fait nous n'avons pas fait communication ensemble avec mairie, ensemble avec mairie capa ici. Donc nous même nous travaillons des conseils car ouais dans pile activité qui gagne dans ville là ou après BESAP toujours présent ensemble avec collectivité. Et ceci, c'est pas seul dans la commune Cap-Haïtien. Donc, dans l'autre commune avoisinante, ou après, nous toujours présents. Et c'est ça qui fait, c'est dans souci, ça, je dis à nous réunir avec le représentant communal. Donc, pour nous dire, mais qui ça nous-mêmes n'a cherché, bien en pile, est protégé, qui caché, je dis à nous-mêmes, en responsable communal, à découvrir, à mettre en valeur, donc pour nous dire, nous répéter, pour nous dire, en direction centrale là, mais des airs nous t'es caché aujourd'hui à Meo, donc pour nous travailler pour nous mettre en valeur. Là, c'est bien comme ça aujourd'hui. Oui, c'est ça nous a fait aujourd'hui à la bureau. D'accord. Et là, bon, c'est quand même gagner des informations que nous pas connaissons, mais nous commençons à recueillir des informations à propos des ANAP. Qui c'est agence nationale des aires protégées, mais ça puis c'est brigade de sécurité des aires protégées. D'accord. Qui vient directement nous parler des pactes en pacte historique citadelle là. OK. Donc exemple, sans souci, c'est directement c'est pour ANAP. Mais est-ce qu'il y a des agents BESAP en les cap ah oui, nous monter de moment en haut, mais vienne pas faire base en haut parce que même pour boire de l'eau en haut, il pas facile. Donc pas gain l'eau, pas gain l'eau quand pile bagage qui pas gain en haut citadelle, ça vienne pas stable en haut. Mais de moment nous toujours voyer unité en haut font virer parfois les qu'on fait dormir, mais c'est malement parce que en bas les qu'on pas mettre en rien comme moyen pour nous faire monter stable en haut. OK. Voilà. Et bon, c'est là nous parlons toi éternel nous sur ça. Des monde qui a dit pour on est grand dans ou on a besoin seulement d'un ZAM dans même. Ou on a un ZAM et puis on vient avec un BESAP. Faux. Pour l'histoire et la vérité, je dis à vous devant la population en général dans le monde qui est sur vous là, expliquez-vous comment vous êtes capable d'accepter à vous dans le BESAP. Si tu gagnes dans le BESAP, c'est même gens avec la police. Et il n'y a pas un secret pour personne. Moi, les que je directeur avant de venir coordonnateur à NAP, nous avons un concours fait. Nous te fait conclure dans le 17. Donc pour un monde qui là monde là aussi des monde qui passaient tout examen yo, et yo même tout pour en dans SDPJ qui te ba un certificat pour nous reconnaître que monde ça pas en contravention avec la justice. Donc mais pour décrire nous, il a toujours dit de vous gain zam ou dans ça faux et pour que ça tout monde pas venir nous donner. Si son bagage qui fait tout monde t'apprendre et tout monde t'a porter zam. Donc moi-même pour moi-même pendant passant là comme directeur, bin coordonnateur, moi vin président commission, pourquoi j'ai rencontré ça en dedans nous et moi-même tout comme responsable, m'pas jamais d'accord. Li fait comme ça et l'état lui-même lui dit comment pour moun vin garde environnemental. Donc c'est pas concours pour vivre là. C'est pas comment faire venir. C'est bon bagage petits amis parce que BESAP brigade là pas pour nous nan nous brigade là c'est ANAP. C'est ANAP qui papa et c'est ANAP qui maman. Et ANAP ne fait partie des institutions de l'État, pas vrai? ANAP c'est pour l'État. C'est pas pour un grand monde lié qui coiffé par ministère de l'environnement. Donc nous même nous pas capable prendre monde comme ça dans la rien puis tout monde qui vient nan pour que ça là quoi nous pas grand pile monde là. Pour que ça dans toute communion nous pas plein monde. C'est parce que bon balise qui mettait pour monde vinn nan bagay. Bon, de fait que des petits bagay qui ka toujours passé même j'ai passé dans toute institution. C'est ça que fait pendant moi-même ensemble avec l'autre commissaire, on tourner là. Moi mandé pour un monde fait partie parce que connais. Je dis au quatre ensemble avec nèg là demain, il ka faire l'autre bagay. Ko pa connais. Je dis à nous mandé pour un nèg retourner même qui en dedans nous mandé tout nèg pour nous connaître dans 2-3 mois que nous pas trop yo pendant pas là et c'est pas gagne l'autre bagarre ou te gagne avec la justice
Je dis à pour un nègre retenant la croix pour servir la croix ou pour servir la communauté, à nous demandons faut passer dans SDVJ. C'est ça que fait nous écrire SDVJ déjà. Nous écrire SDVJ pour nous préparer. Voilà, donc la continue. Je dis pour nous rentrer dans le BESAP, donc faut que vous passez par SDPJ d'abord. Donc tout agent BESAP, nous-mêmes, vous passez dans SDPJ et SDPJ, vous avez accès. Donc certificat qui dit que vous n'avez pas quelqu'un de rapport avec la police, donc la justice. La justice, vous avez même lui qui a accès pour rentrer dans le BESAP. Et puis nous avons un service tout, un service d'investigation qui est en dedans, qui est là pour enquêter dans la communauté côté ou bien Méria. Ou bien dans le domicile pour connaître est-ce que dans la zone ça où c'est qu'on est qu'il y a des problèmes à la population avant nous accepter d'être dans la cour. Voilà. La façon que mon réponse est de dire, je viens de parler, donc c'est faux, c'est à conseiller. Il parle jamais comme ça même. BESAP a ensemble des structures pour être capable d'intégrer dans BESAP. Voilà. Nous rappelons la fois dernière, le ministre a pris une décision contre qui a demandé pour tout agent BESAP rentrer badge de ne pas avoir un droit circuler à travers les rues. Et quelques temps plus tard, tu as gagné et puis la ville de SAP qui te bail des conférences de presse qui te dit si ça t'a fait mais que ça va gagner, ça va gagner. Et moi, je parle de mes sentiments encore, même tu vas BESAP pour continuer à travailler. Ça te passe, déclaré ou non? Non, notre là, je vais m'expliquer la population. Yon note pas qu'à rentrer yon décret. Parce que le ministre en fait yon note sorti. Ministre James Cadet pas dit li kaze BESAP. Li fè on nan soti, li dit dès maintenant, il rentre badja en attendant que te gen pile bagay crise politique qui te lié avec bagay qui te gen dans la rue en pile histoire. Li te fè on nan soti, li te dit il font camper badja malgré selon la loi. Donc le rentre yon badge, faut mettre yon l'autre badge en circulation. Non, il te passé hors de la loi, il te fè bon ka di bon pa même dit groupe être le chef qui agit. Donc ministre te prend une décision. Mais il pas casé BESAP parce qu'il pas casé BESAP parce que BESAP c'est bois droit à bois. Ah. OK. BESAP lui-même il a pu sécuriser tout ça que ANAP procédé à travers le pays. Donc depuis ANAP existait, ministère environnement existait. Ministère environnement existait a toujours gagné BESAP. Donc qui donc ministre pas dit écraser. Et c'est ça que fait, ou après, je dis, depuis qu'il y a intervention, on a toujours un agent BESAP dans la rue. Donc, dans tout le littoral, on a tout côté avec BESAP. On a fait travail, BESAP dans l'air protégé. Parce que si vous entrez, il faut mettre l'autre dehors. Si vous mettez, nous ne pouvons pas quitter, nous ne pouvons pas couper tout le mangrove. Nous gagnons. Parce que si elle existe, c'est parce que il y a un mangrove. C'est même gens qui font paramètre. Ça fait Satan exister parce que il y a un bon Dieu. Donc tout le temps qu'il y a un littoral, il a toujours existé. Nous même comme bois qui là pour nous surveiller, tout ça a gagné. Donc il y a un littoral qui existe. Nous avons des mines, nous avons des sous-l'eau, nous avons des rivières, nous avons des mons. Si on existe, ben ça n'a pas casé. Où est-ce que vous avez agi avec Gomoyet? Il est passé hors de la loi. Laissez chef qui agit ou pas dit c'est gros pour être non, c'est que il prend une décision. Hors de la loi. Non, il prend une décision parce que me parle pour me dire non, ça chef pas bon. En tant que journaliste, moi estime que le ministre a passé hors de la loi puisque on a pris un décret sorti. Donc loi ça décret sorti, donc pas rentrer on décret par un autre. C'était une autre idée, il pas pris un décret loi. Et c'est ça que fait je dis à lui même tout après il a créé une commission qui t'a travaillé sous pour nous refaire Badjo. Badjo fait qu'on y a là? Non, Badjo qu'on y a nous en, comme garde ça nous en processus pour Badjo refaire très bientôt parce qu'il y a des activités qui ont été faites via situation politique pays. Si tout à Port-au-Prince, ça fait donc lancement pas de fête. Nous avons une commission tout qui dernier bagaille la préparer tout parce que jusqu'à là, Bureau Central pour informer nous qu'il a commencé le processus de faire Badjo. Mais nous estimons que nous avons un livre sur BESAP avec le Badjo, mais vraiment? Ce n'est pas celle-là sur BESAP, même sur la police nationale. Donc, ça qui arrive, pour une raison politique, on n'est qu'à faire une autre sortie. Bon, si tu as fait une autre sortie pour la police nationale, ce n'est pas dégré notre étape. Vous comprenez? Il est casé déjà. Donc, notre institution a toujours gagné qu'à faire des ordres. Mais elle a fait des ordres là, ce n'est pas l'institution qui dit, mais elle fait des ordres. Donc, à la pression de la loi,
moi-même comme responsable non non moi là m'a travaillé sur décret tout ça au dim c'est décret m'a fait appliquer donc m'a pas inventé est-ce que la police voit une égale fait gang il va voir une égale fait gang si n'est pas fait gang combien fois barre une égale gang qui policier combien fois barre une la limbe ou barre policier dans drogue est-ce que c'est direction générale police qui voit yo il va voir donc ça c'est bon j'ai yo te ranger administrativement. Mais comme il a fait notre place, c'est chef lié, il a agi. Donc nous-mêmes, tout, comme agent BESAP, nous avons gens tout pour nous comprendre tout. Donc ça, notre action, c'est pas caser l'institution, parce que c'est son décret loi créé. Donc nous-mêmes, tout, nous n'avons pas rangé nous, nous avons mis plus de principes au niveau en brigade là, pour ne pas gagner des gens de bagaille qui répétait encore. Donc c'est ça que fait, après des moments d'autres, nous avons concerté avec responsable communal pour nous pas gagner ça arriver dans le temps. Et c'est une raison tout qui fait aujourd'hui SDPJ qui c'est police judiciaire nous-mêmes nous travaillons de conseil avec au niveau institution ANAP pour agent ou nous gagnons pour nous toujours faire passer là pour regarder Kayao est-ce que Kayao pas gagner erreur. C'est ça que fait nous travaillons de conseil avec police nationale d'Haïti pour nous épurer quoi. Voilà, donc c'est un peu l'explication là, tu vas bien ça, tu vas ANAP et Gérald. Si nous arrivons, nous trouvons un agent BESAP à faire un bagage qui ronge, quelqu'un qui mesure que nous pensons prendre. Non, l'autre dit bagage qui ronge. Et même avec un policier ou un jeune qui n'a gagné, il a arrêté, il a mis la prison. Si nous avons un agent BESAP, tu as fait un mauvais acte à travers les rues qui est destiné à prendre votre élément. Ok, la loi définit clair pour tout le monde. Si c'est un parti civil, la piété est dans l'institution. Parce que les services sont dans l'institution. Il a pourtant de nouveaux services d'inspection qui décret loi dit mais qui mission non partie opérationnelle brigade là. La plus là, si son partie civile l'a prêté en dedans institution. Mais depuis c'est affaire pénale là, directement c'est la justice, c'est tribunal. C'est lui qui a évalué si coupable, si innocent. Nous pas là pour innocenter quel monde, c'est la justice. Donc si c'est un bagage que nous avons traité en dedans administrativement, nous avons fait en dedans bureau. Mais si c'est un bagage qui a fait pénal là-dedans, droit pour paquet. Voilà, donc est-ce que nous allons continuer ou bien. Donc moi je dis que ça vous mettez là. Voilà. Parce que en pire monde fait BESAP, les agents BESAP vous pensez que c'est un diable. Ah oui. Non, nous pas comme ça. Et nous pas jamais comme ça, nous pas formé pour faire monde mal. Au contraire, c'est nous-mêmes qui là pour mettre et protéger en valeur. Et c'est nous-mêmes qui là pour nous parler avec la population, pour nous expliquer qui ça qui est protégé. Et c'est nous-mêmes qui là tout pour nous dire l'importance est protégé de gagner. Ce n'est pas en Haïti seulement qui est brigade, non? C'est à travers le monde, oui. Donc même nous travaillons de conseil avec un paquet ONG. Et c'est parce que nous sommes en Haïti qui fait nous pas dire en ANAP si on bagage international. Parce que tout ça, ANAP, qu'est-ce qu'il a fait, c'est avec international là. Non, dans le passé, belle qui pense au moyen d'ANAP bien, BESAP bien, au côté de nous, est-ce que c'est l'État qui s'est battu? Guéna aussi, l'État qui remet le travail par nous, yo prête nous et yo fait nous cadeau. D'accord, même ça, bientôt. Non, nous pas examen, non. C'est dans la réunion de l'Imlab, nous pas faire examen. Mais à travers le monde, moi connais, monde qui a protégé l'environnement, pas qu'à faire avec manchette. Donc, Abou moi, est quand même pour défendre nous. Je ne sais pas si c'est à Pongyet, mais au moins, qui vient à la manchette devant, je ne sais pas si c'est pour être avec les sols. Il a coupé dans les vêtements. Je ne sais pas si c'est à Monsoli. Je ne sais pas si c'est à Monsoli. Quand même, Abou moi, pour défendre nous, quand même, parce que même c'est brigade. Voilà. Et tout, les amis nous, qui ont suivi nous là, nous avons parlé avec Gérald, le présentant, en effet, ANAP, qui est responsable, coordinateur. Et qu'on a de commission, qui a géré BESAP à travers la ville, qui a travers le département Nord en général, qui a de BESAP et ANAP, Gérald, tu n'as pas à voir là, à journal à travail? Nous avons des gens qui ont CD protégé. Ok. Dans mon exemple, à Saint-Raphaël, Pion, nous avons Dondon, même les responsables là, mais nous avons des gens qui sont postés dans les protégés. Et même au Cap-Tour, nous avons des gens qui sont là dans le moment, dans le Bédé Lakil, nous avons des gens. Nous avons un apprendis, soit les apprendis, nous avons un agent. Donc nous avons un agent, parce que nous avons un agent de tous côtés. Donc l'agent est toujours dans la RPTG. Ou quand vous avez dans la rue, l'agent a fait longtemps, vous n'avez pas conscience encore. Donc après, on a BESAP dans la rue, c'est dans la RPTG. Ou après, l'agent qui est en uniforme, vous avez un agent dans la RPTG.
il pas même gens pour nèg ka venir pour le faire servir nous pas d'accord ouais non nous pas ka remarquer ça c'est pas nous besoin d'ou communauté a même yo vivre ça donc balise nous mettez pour monde pas faire sauver d'accord donc c'est parce que c'est qui là on situe qui là qui a travaillé Jean ouais responsable logistique à Soudou là donc nous même n'a travaillé ça fait tout commissaire là chaque monde a une mission donc chaque monde a joué un rôle. Donc, pour permettre de nous rendre quoi efficace. Et je ne vais pas oublier de poser cette question ça parce que faut que nous connaissions. Comment ça allait? Comment vous payez ça? Donc, vous connaissez comment les fait à travers le pays. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas touché. Ah oui, ça faux. Dit parce que vous ne pouvez pas payer ça. Faux. Et les gens ont un chef qui mettent les faux. Ok, faux. Allez. Si c'est comme ça, vous pouvez soit regarder un budget rectificatif là ou après, ça passer à 110 millions. Si passé on a passé à 110 millions puis on bat en up comme c'est parce que gambe ça si pas gambe ça pour que ça va on va payer 110 millions on va payer 110 millions de goud pour ça voir au moins là c'est faux donc pour d'être nous on y a toujours dit que nous pas toucher nous pas ceci même je connais tout spécifique pour entrer dans l'état nous fait tout pas pour nous au bon nous fait tout pas pour nous on toujours gagner. Mon ami ne pas toucher. Comment ne pas toucher là? On ne peut pas toucher puis toute la journée vient travailler. Ah oui, ça me donne des besoins pas toucher. Ça sont blagues. Mais on est quand les gars, sont blagues. Ils font venir, pas donc pas payer. Sont blagues. Ils vont pas payer tout mon seul coup. Là, l'État gère pour ceci. En se faisant des conditions pour payer. Et cette condition là, oui, c'est on a fait là. Hein? C'est pas tout le monde qui a touché un seul coup. Donc de tout côté pas tout le monde qui touche. Est-ce que plusieurs fois pas la rue bloquée pour tirer maintenant la police? Est-ce que la police va pas bloquer la rue? Hein? Et au deux ou 5 mois, oui. Ce n'est pas tout le monde qui a touché un seul coup. Et pas tout le monde qui a l'éducation qu'on a des ou pas nommé, il n'a pas touché. Et pour que ça se baisse à tout le monde, oui. Donc, le monde qui a voulu capter pour la population, il y a une partie qui a touché, il y a un autre groupe qui a touché. Il y a un processus qui a fait pour tout le monde. Pour tout le monde touché. Donc, c'est qu'on s'allie. Mais le monde, on connaît, on veut détruire nous. Parce que c'est tout le monde qui a confié ça, les policiers font paraître. Dans la police, c'est toujours dit, ah, avec ça, c'est ça, toujours que ça. Mais ça ne peut pas décourager nous. Parce que nous avons volonté pour nous travailler avec la population. Parce que nous, c'est Haïti, et grâce à l'environnement, nous avons l'autre Haïti. Merci. Voilà, merci Gérald, et surtout représentant, en effet, BESAP et ANAP, le vêtement noir. C'est un dernier message pour la population avant nous aller. Dernier message pour là, c'est que ça travaille. Message pour auditeurs, auditrices, ou bien population noire, et pour m'a dit pays, n'a pas demandé tout le monde, depuis c'est Haïtien, c'est longer la main, BESAP, ou bien ANAP, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées. Nous-mêmes, nous avons volonté pour nous gagner notre environnement, nous connaissons la situation politique du pays, pour tout bagaille. Violence sans paio et moun ki pa vle wè nou a tout di vè pose et nous même nous gen volonté pour nous travailler pour population exemple gade état ville au cap donc vous pensez si gen moyen qui à la disposition nous pas quitter passer gade zone littoral là gade le bokon gade en dans l'amblé gade cité chouvel on gade yo avant d'aller plus loin yo on monte dans mon laurier ça ne te connaît longtemps yo on gade yo. Moun ki aime au cap, moun ki aime département nord, nous mêmes au niveau ANAP et BESAP, ba nou vri, n'attend tout moun ki vle aider nous. Jo ka aider nous avec pèl pi kwa, bourek. So gen pou ba nou pou travay pou population nou prè pou nou travay. Ou ka remarquer ça, gen plusieurs incidents qui rive, la ville là toujours agent BESAP toujours présent. Depuis gen di fè nous là. Depuis que nous sommes toujours présents. Donc, nous avons besoin de support de la population parce que c'est pour la population qui travaille. Merci d'avoir tout le monde. Merci, vous avez suivi nous dans le monde, dans tout côté. Donc, AGBSA, vous avez besoin de support. Nous avons besoin de support. Nous avons besoin de gérer le ville, gérer le pays d'Haïti en général. Qui m'a parlé, c'était Gérald Joseph. Pas vrai? Nous comptons avec vous, coordinateur Gérald. Ciao, à la prochaine. Merci.